Bonjour et bienvenue sur Disney Récré en français. Aujourd'hui, nous allons jouer avec ce jeu de pâte à modeler pour faire des crèmes glacées pour notre princesse Elsa bien-aimée. Donc, voici un rouleau qu'il y a dans cette boîte, un moule à Eskimo, de la pâte à modeler rouge, un autre moule à cornet, un piston, la pâte à modeler marron, blanche, l'autre élément pour le piston, de la pâte à modeler jaune et encore rouge, un couteau, une nappe, et des petits bâtonnets pour les Esquimaux. Et voici le devant de la boîte. Et le derrière qui vous montre comment faire ces crèmes glacées. Voici le contenu de la boîte. Et nous allons commencer par faire un Eskimo aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et voilà, notre première crème glacée est prête. Faisons-la goûter à Elsa. Elle la trouve délicieuse. Nous allons maintenant faire la deuxième crème glacée. Ce sera aussi un Eskimo et on va utiliser deux couleurs de pâte à modeler. Nous allons maintenant rajouter des pépites rondes pour décorer cet Eskimo. Et voilà, l'Eskimo est prêt et Elsa veut aussi le goûter. Et elle le trouve aussi délicieux que l'autre. Et maintenant, nous allons faire notre troisième Eskimo et on va utiliser deux couleurs, le marron et le rose.
C'est un Esquimau un peu spécial car nous allons lui rajouter un logo de Pepa Cochon. Et voilà, nous avons un Esquimau spécialité Pepa Cochon. Et nous allons le mettre aussi sur les genoux d'Elsa. Et maintenant, nous allons faire un cornet avec ce moule. Et on va utiliser de la pâte à modeler marron clair. Et voilà, notre cornet est prêt. On va en faire plusieurs. Et maintenant, on va utiliser de la pâte à modeler blanche pour faire la crème glacée dessus, à l'italienne. Et voilà la première glace. Faisons la deuxième. Et voilà, elle m'a l'air délicieuse. On va aussi en faire une autre avec de la pâte à modeler jaune. Et voilà la troisième. Et maintenant, nous allons utiliser ce piston avec ses motifs pour faire d'autres crèmes glacées. Et on va utiliser le motif en forme de fleur. Et voilà notre quatrième crème glacée en cornet. On va en faire une autre avec de la pâte à modeler bleue et avec le motif en forme de cœur. Et voilà, notre dernière crème glacée est prête. Il ne reste plus qu'à les décorer de petites pépites. Et nous allons, avec ces couleurs, faire des confettis pour les autres crèmes glacées. Et voilà, ça m'a l'air délicieux et je crois qu'Elsa veut la goûter. Et effectivement, elle la trouve aussi délicieuse. Voici une autre crème glacée avec un autre logo de Pepa Cochon. Et voici toutes les crèmes glacées que nous venons de confectionner pour notre grande gourmande, la reine Elsa. Ces crèmes glacées ont l'air aussi délicieuses les unes que les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Disney Récré en français.